Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons le nouveau mois de mai et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies, dans le mois d'avril, et nous demandons de continuer ses bienfaits dans ce nouveau mois qui commence. Le 1er mai est le jour où nous faisons mémoire de Saint-Joseph travailleur, où dans le monde entier, nous célébrons la valeur du travail, la dignité du travail pour l'homme. Aujourd'hui, prions pour toutes les personnes qui travaillent, pour toutes les personnes qui gagnent leur dignité honnêtement par leur travail. Et prions aussi pour toutes les personnes qui sont en quête de travail, que par l'intercession de Saint-Joseph travailleur, ils puissent trouver de quoi prendre leurs responsabilités dans notre société et participer à la création de ce monde. Viens, Esprit Saint, sanctifie-nous. Viens, Esprit de sagesse, saisis-nous. Viens, Esprit d'intelligence, éclaire-nous. Viens, Esprit de conseil, avertis-nous. Viens, Esprit de force, fortifie-nous. Viens, Esprit de piété, réjouis-nous. Viens, Esprit de science, enseigne-nous. Viens, Esprit de crainte de Dieu, garde-nous. Viens, Esprit de paix, donne-nous ta paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. » Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne. Et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous parle d'une vigne dont le Père, Dieu le Père, est le vigneron. La vigne elle-même, c'est le Christ. Et les sarments sont chacun de nous qui devons nous brancher, qui devront être connectés, qui devront être rattachés à cette vigne afin de pouvoir porter du fruit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous le dit clairement, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ou alors, tout ce que nous faisons sans lui n'a vraiment pas d'importance, n'a vraiment pas de quoi nous réjouir le cœur. Il peut arriver que nous fassions beaucoup de merveilles, mais si la source n'est pas le Seigneur, ces merveilles sont vaines. Il peut arriver que nous fassions beaucoup de choses pour lesquelles on nous applaudit, mais si la source n'est pas le Seigneur, cela est vain. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler l'importance de rester attaché à lui, l'importance de rester connecté à lui. Ce qui fait la gloire de son Père, c'est que nous soyons ses disciples. Est-ce que je suis encore un disciple du Seigneur? Est-ce que je me sens rattaché au Seigneur et que chaque chose que je fasse dans ma journée vienne de cette relation que j'ai avec le Seigneur? Certains ont pris la bonne habitude de trouver un temps important de prière le matin pour que toutes leurs activités prennent leur source dans le Seigneur. Certains qui ont la possibilité vont même participer à l'Eucharistie en sachant que les sacrements sont pour nous un trésor où nous puisons la nourriture spirituelle, les forces nécessaires dont nous avons besoin pour pouvoir porter les fruits que nous sommes appelés à porter.
à la fin de l'Eucharistie, on nous dit « Allez dans la paix du Christ ». Mais nous allons, c'est pour porter des fruits. Est-ce que nous avons eu déjà le temps de prendre notre source dans le Christ afin de porter des fruits, ou bien les fruits que nous portons viennent de nous-mêmes? Si c'est le cas, tôt ou tard, ils finiront par être vains. Le Seigneur l'a dit, toute branche qui se détache de l'arbre, si forte qu'elle soit, elle finit toujours par se détacher. Et parfois, il nous arrive dans notre vie chrétienne d'avoir l'impression d'être déjà trop fort, de commencer à négliger nos exercices spirituels, nos moments de rencontre avec le Seigneur. Et nous faisons beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Nous nous lançons dans l'activisme. Mais après un temps, on se rend compte qu'on est sec. Demandons au Seigneur la force de rester fidèle, connecté toujours à lui tout au long de cette journée, afin que nos activités prennent leur source en lui et que nous portions du fruit tout au long de notre journée. Amen.